Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag. Nous sommes de sortie aujourd'hui. Si vous restez avec nous, vous allez sortir aussi. On part de la chaîne et on va sur le port de Jaffa. Oui, on veut vous emmener sur le port de Jaffa parce que cette semaine, eh bien, c'est les vacances en Israël. Et c'est l'occasion pour les familles, leurs enfants et puis pour les touristes aussi de déambuler sur ce port extraordinaire qui donne lieu à une foultitude d'événements, d'expositions. Et on voulait saisir cette opportunité pour vous en montrer les meilleurs. Et donc, ce qu'on voulait, c'était vous faire découvrir ces coins cachés. Vous savez que Jaffa, c'est l'épicentre de la coexistence. Alors, le Culture Mag a décidé de vous montrer, par exemple, le théâtre de Norman Issa, cet acteur que vous avez probablement vu dans la série Travail d'art. On veut vous montrer une exposition consacrée à la lutte contre le racisme organisée par des enfants israéliens et des enfants israéliens arabes. Nous irons voir l'exposition d'origami, l'art du pliage qui arrive en Israël. Nous irons voir bien évidemment l'exposition Monster qui fait très peur aux enfants, qui amuse les parents. Et puis enfin, nous vous emmènerons dans une petite ruelle, dans le vieux Jaffa. Il y a une maison fermée dans laquelle Laila Abashi enseigne l'art de la cuisine israélienne, arabe, chrétienne, aux touristes, aux Israéliens, à tout le monde. Bref, Jaffa, c'est lieu de la coexistence, c'est un petit peu nous aussi. Allez, suivez-nous, on y va. Alors, on va commencer cette promenade dans Jaffa par l'un des symboles forts de la coexistence, si cher à Jaffa, c'est le théâtre Elmina, le Elmina Theater. Il a été fondé par Norman Issa, c'est un acteur, vous l'avez peut-être vu dans la série Travail d'Arabe, vous l'avez peut-être vu dans le film Mon Fils, qui est sorti récemment sur les écrans, réalisé par Eran Riklis. Donc, dans ce théâtre très particulier, le Elmina, il y a deux compagnies, une compagnie israélienne-arabe, une compagnie juive, une compagnie arabe, qui travaillent alternativement ou parfois ensemble. Vous voulez en savoir un peu plus, on va suivre le reportage de Shachar Peled. L'idée d'atteindre les deux peuples, juifs et arabes, ensemble. Je pense sans cesse au fait de réussir cette combinaison et d'amener les enfants de la culture arabe et juive à venir voir un spectacle. Elmina a été établie il y a 3 ans, avec pour but l'existence et non la coexistence. Norman Issa a créé le théâtre avec sa femme, Guidona Raz. Ensemble, ils incarnent la différence entre ces deux concepts. Issa est né de parents arabes chrétiens. Raz, elle, est issue d'une famille juive. Issa, qui est aussi une vedette d'une série télé israélienne où il tient le rôle d'un journaliste arabe qui peine à se faire accepter dans la société israélienne, a décidé que son théâtre était la meilleure façon de rapprocher les deux cultures. Les enfants s'assoient ensemble et regardent une pièce. Après la pièce, ils se retrouvent pour un atelier. Personne ne fait de gros titres ou ne parle de problèmes politiques. Les enfants sont comme ça. Pour leur nouvelle pièce, La Petite Lampe, le théâtre présente une expérience bilingue, les acteurs jouant simultanément en arabe et en hébreu. Le langage n'est pas si important que ça, parce que je peux communiquer avec vous sans parler. L'arabe et l'hébreu sont deux langues similaires, donc si vous combinez les deux, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Le sens est métaphorique. Quand vous ouvrez votre cœur et que vous comprenez, que vous aimez et que vous acceptez l'autre tel qu'il est, alors nous pouvons amener le soleil dans nos vies. En effet, l'histoire de l'écrivain palestinien Ghassan Kanafani, avec son adaptation pour la scène, tente d'apporter un message éducatif aux enfants. C'est le futur. Si vous parvenez à changer ces enfants et à les faire s'accepter les uns des autres, non pas de s'aimer les uns les autres, mais bien de s'accepter, de se respecter. En ce qui me concerne, je fais mon maximum pour que nous puissions vivre ensemble. Voilà, une autre grande activité cette semaine sur le port de Jaffa, c'est l'exposition Monster. Elle fait peur aux enfants et elle amuse les parents. On va y aller avec David Gombin. Des monstres, il y en a partout, des petits, des grands, des effrayants, des horripilants. Cette année, les monstres de Jaffa sont inspirés de la légende d'Andromède. Andromède, souvenez-vous de la mythologie grecque. Attachée nue sur un rocher, cette princesse éthiopienne est donnée en sacrifice aux monstres marins. Heureusement, elle est sauvée de justesse par Persée. Un mythe qui a largement inspiré artistes et cinéastes, comme dans Le Choc des Titans, et qui a inspiré aussi Sarah Khatouka, curatrice d'une expo entièrement consacrée aux monstres. Bonjour Sarah. Bonjour David. Bonjour. On a juste pensé que ça serait extraordinaire, il y avait quelque chose de très lugubre dans cet endroit. Et face au port de Jaffa, avec l'histoire d'Andromède, le monstre de mer, donc c'est ça qui nous a donné l'idée du monstre.
peintures, illustrations, sculptures. Au total, c'est une quinzaine d'artistes qui exposent leurs vilaines créatures. Sans oublier les films d'animation conçus par les étudiants de Gobelin, l'école parisienne de l'image, et ceux de Minchar, son homologue à Tel Aviv. Et les monstres, tous les enfants adorent, comme par exemple ses deux frères Max et Ness, même si les monstres ne parviennent pas toujours à leur faire peur. Oui, j'ai peur. Une fois, j'ai vu le vrai Spider-Man et je n'ai pas eu peur, même pas une seconde. Lui, il aime ce qui est rigolo et moi, j'aime ce qui fait peur. En fait, ce qui est monstrueux, c'est de penser que les enfants ont vraiment peur des monstres. Les adultes ont peur que les enfants aient peur, mais les enfants se retrouvent beaucoup dans les monstres. Les monstres ont quelque chose de très humain, quelque part. Mais les monstres les plus effrayants, c'est bien sûr ceux qui sortent de l'imagination de nos chers bambins, comme ici au cours de ces ateliers création. Dans le port de Jaffa, les monstres prennent parfois vie. Qu'ils fassent peur ou pas, ces monstrueuses créatures parviennent à faire le plus grand bonheur des enfants comme de leurs parents. On va partir maintenant au musée de Jaffa qui accueille une exposition extraordinaire consacrée à l'origami. L'origami, c'est cet art du pliage de papier japonais, c'est vieux de plus de 500 ans. En Israël, c'est beaucoup plus récent son attrait pour l'origami. Ça a été monté dans les années 30 et récemment, un centre dédié à l'origami s'est créé sous la houlette de Marie Golan. Sandy Fortis va nous y emmener. On y va. S'amuser avec du papier peut paraître être un jeu d'enfant et pourtant, plier du papier est un art. Un art qui trouve sa place ici, à Jaffa. Les œuvres de 30 artistes, 10 israéliens et 20 venant des quatre coins du monde ont été réunis pour faire découvrir au public tout ce qu'on peut faire avec une feuille en papier. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu autant d'œuvres en origami réunies en une seule exposition. L'avantage de l'origami, c'est que ses œuvres parlent à tout le monde et celui qui en parle le mieux, c'est Paul Jackson, artiste, professeur et surtout l'un des plus grands spécialistes en la matière. Avec l'origami, tout le monde peut regarder et apprécier. Peu importe notre âge ou notre culture, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien à comprendre, il faut juste apprécier. Et pour prolonger le côté ludique de l'exposition, des ateliers d'origami sont proposés aux enfants, plus que contents d'y participer. C'est amusant, j'ai appris à faire un signe en papier, j'ai construit quelque chose juste avec du papier. Je suis venu pour apprendre à faire des choses en pliant du papier. Tout est possible avec le papier, je peux aussi faire un dinosaure. Et puis on élargit notre imagination, c'est vraiment génial. Créer quelque chose de leurs propres mains, une expérience peu commune pour nos chères têtes blondes. Nous savons que les enfants adorent travailler avec le papier. C'est magique pour eux. De nos jours, les enfants passent leur journée à jouer avec leurs pouces sur leur smartphone. Mais faire quelque chose eux-mêmes, avec un contact direct avec le matériel, pas de souris, ni de crayon, aucun outil, juste leurs doigts, c'est une expérience unique pour les enfants aujourd'hui. Very unique experience for kids these days. Plus que de la fierté, c'est de la magie que l'on voit dans les yeux de ces enfants. Une magie qui ne tient qu'à un simple petit bout de papier. Voilà, on est sur ce port de Jaffa où c'est vraiment le farniente. Il y a évidemment toutes les familles qui sont en vacances cette semaine en Israël, mais bien évidemment aussi des touristes. Allez-y, passez, n'ayez pas peur, c'est bon, c'est les vacances. Voilà, alors on voulait justement vous montrer le panorama de tout ce qui allait se passer cette semaine en Israël pour ces vacances, l'exposition pour les enfants, un petit tour d'horizon qu'a fait notre ami Daniel Campos. Sur le port de Tel Aviv, vous retrouverez l'expo Game of Thrones, importé directement de Londres et qui attire des fans de la série venus de tout le pays. Avant même son ouverture, les billets étaient déjà tous écoulés. Retrouvez aussi le Festival international de la musique yiddish au centre Suzanne Dalal. Côté électro, retrouvez DJ Derek May, l'ambassadeur venu tout droit de Détroit aux États-Unis, connu pour sa riche scène techno. Il sera en concert le 10 avril à Tel Aviv. Sans oublier la musique du monde avec le groupe Yemen Blues qui va enflammer le Zappa Club de Tel Aviv le 11 avril avec son subtil mélange de musique folklorique, jazz, funk et soul.
Si vous aimez danser, direction la swing party au Dizengoff 98 du 6 au 7 avril. Chaussez vos chaussures et virevoltez. Spiritualité, religion, danse et fêtes. Quelles que soient vos attentes, en Israël, les vacances de Pessah et de Pâques ne vous décevront pas. Jaffa, c'est aussi le mélange des cultures. Et qui dit mélange de cultures, dit mélange de cuisine, de saveurs, d'odeurs. On est dans une petite rue très secrète, en plein cœur de Jaffa. Et on va vous emmener dans une maison encore plus secrète, la maison de Laila Habashi. Et c'est peut-être là que se niche la définition de ce qu'est Jaffa, la coexistence. Venez voir. Laila Habashi, merci beaucoup de nous recevoir dans votre maison. Alors justement, on est où ici? Et alors on est ici à House Number 3 et c'est le nom de notre business. Et c'est mon mari et moi qui ménageons ce spécial business. C'est une maison un peu secrète, un peu particulière. Oui, c'est une maison secrète. On hôte ici des invités qui viennent avoir une spéciale expérience culinaire. Et on fait ici des cours culinaires aussi. Et mon mari et moi, nous avons créé cette idée. Et il y a plus que 20 ans. Vous avez eu l'idée, une idée très particulière, on va y revenir. Pourquoi vous parlez si bien français, Laila? D'où vous venez? Alors, moi, je suis née ici à Jaffa. Et ma mère est arrivée d'Irak, de Bagdad. Et elle est juive. Elle est venue en 1951. Et mon père, il est arabe musulman. Et ils sont rencontrés ici à Jaffa dans les années 60. Et ma mère a voulu que je sache beaucoup de langues. Alors, elle a insisté que j'étudie dans le collège de frères. Et je sais très bien le français. Vous parlez très, très bien le français. Merci beaucoup. Donc, vous achetez cette maison qui est absolument magnifique, ce palais ottoman, et vous avez une idée qui vient probablement de vos origines, une idée de coexistence autour de la nourriture. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites avec votre mari, Hamoudi. On a créé l'idée d'hôter ici et des gens qui viennent d'Israël et de tous les pays pour goûter notre cuisine. Et faire aussi des cours et culinaires. Mon mari est infirmier dans l'hôpital. Il aime beaucoup cuisiner. Alors on a décidé que de sa passion, on peut aussi gagner de l'argent. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'on mange ici. Est-ce qu'on mange de la cuisine israélienne, de la cuisine irakienne, de la cuisine arabe? On mange quoi? Alors c'est un mélange de cultures, mais la cuisine est basée sur la cuisine arabe de Jaffa. Et on l'a pris et on a ajouté beaucoup des aspects et des traits d'autres cultures. Parce que notre idéologie dans la vie, c'est de connecter des gens de différentes cultures et religions. Ce n'est pas seulement le repas ou les cours culinaires qu'on fait ici, mais c'est aussi les histoires que moi je raconte. Qu'est-ce que vous racontez comme histoire? Autour de la cuisine et de notre vie et notre idéologie dans la vie. Alors, quelles sont les histoires que vous racontez, justement? Alors, je raconte sur l'origine des plats, d'où ils sont venus. Et j'ai fait aussi la gustation de vin israélien ou même de tout le monde. Et je raconte sur mes origines et comment on a créé l'idée de hôter dans notre maison. Se conduire avec tous les gens de toutes les religions, la même chose. Le plus important chez nous, c'est l'homme et pas la religion. Pardon. Non, c'est bien. Au final, à la fin du jour, vous vous sentez quoi? Vous vous sentez du monde? Je crois de toutes les religions ensemble et je crois en Dieu, oui. Je parle les deux langues très bien. Lorsque je parle en hébreu et soudain je parle en arabe, alors on me regarde, on ne comprend pas d'où j'ai cet arabe. Oui.
Alors, il me demande, qu'est-ce que tu es? Alors, je dis les deux. Merci beaucoup, Laïla Abachi. On est vraiment très contents d'avoir pu mettre le Culture Mag au cœur de votre maison, au cœur de votre philosophie de vie. Merci. Merci beaucoup pour vous. Je suis très contente. Voilà, c'est sur ces saveurs, ces odeurs et ces belles paroles de Laïla Abachi qu'on va terminer ce spécial Jaffa. On est très content de vous avoir emmené découvrir tous ces endroits. On va se retrouver demain à la même heure dans le Culture Mag, mais cette fois on sera dans le studio. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.